fait froid. Ah, c'est froid. Il a un brain freeze. Ah, c'est horrible. Qu'est-ce que tu manges? Un Mr. Freeze. Tu suces? Ouais. Non. Ouais, bref. Non, je viens contrôler un peu le travail là. Du jaune. Je viens contrôler le travail du jaune. Du jaune? Non, c'est moi le jaune. Askip, il a travaillé dur et tout. Bah, regarde, déjà ça. Ça, c'est méga propre. Ça, je suis désolé, ça, on l'a jamais fait perso. C'est pignol. Ça, par contre, il a pas réussi à le sortir. Ça, c'est Jdid. Par contre, ça, ils sont gros les. Oh, ah ouais, non, le cardan. Oh, ils sont gros les cardans. Oh, salope. Ouais, ils sont épais. Ils sont énormes. Quelle vulgarité. Ils ont pas de fuite. Allez. Ils ont pas de fuite. J'aime. Putain, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Bah, ils en empêchent, ils sont Jdid les triangles de 46 d'origine. Hein. Ouais. C'est pas un truc moche, tout peint en noir, tout dégueulasse. Non, on dirait limite que c'est de l'aftermarket. Bah, c'est un triangle en alu, quoi. Ah, mais c'est beau. Moi, ça me plaît. D'accord. T'as qu'à lui racheter, tu les mets sur ta... Sur mon 36, sur ta 36, ça fera un kick grand angle. Alors, t'accèdes par le haut pour démonter le triangle. Ah oui. Avec la rallonge. Oh, Isabi. Putain, la longueur de la rallonge, quoi. Par contre, là, de ce côté-là, je pense que c'est mort. Ouais, quoi que. Quelle méthodologie. Ouais, quoi que. Alors, si t'y arrives. Ça va rester bloqué, mon pote. Bien ou si ça part en couille, non, ça part en couille. Ah! C'est un collecteur, donc tu peux même pas y jeter les mains parce que c'est bouillant. C'est qui a commencé à accélérer devant? C'est pas moi. Oh, t'es un bâtard. Oh, mais c'est Oh, le vieux pire! Ce qu'il faut dire, c'est qu'il rate parce que je lui ai explosé 4 tympans là maintenant. L'autre jour, j'étais sous une bagnole, le type, j'ai failli me taper la face avant de la bagnole. Quand j'avais le klaxon, il était là. Oh. Là, c'est le moment où ça devient dangereux. Qu'est-ce que t'en penses? Ah putain, mais j'ai pas vu, mais il y a tout qui est tombé par terre. De toute façon, le type, à longueur de journée, faut qu'il fasse du bordel. C'est un carrossier, il est vite sur la pétrole. Je croyais qu'il était mécano. On a un maçon ici. Bon, en tout cas, c'est toujours pas sorti. Bon, voilà, du coup, on a raté la scène parce que le mec qui m'a dit. Oh, mais merde! Tu cadres bien comme ils font, Jack, en train de faire une œuvre d'art. Ah, ça y est, c'est en train de tomber. Ouais, du coup, faut observer ça parce que Léon qui se sert d'un outil, c'est assez rare. Attends, c'est pas mon outil d'abord. C'est. Oh, bim! Ah, c'est assez rare presque du premier que Léon arrive à bien se servir d'un outil. Allez, je monte un peu les escaliers pour qu'on vous montre. Voilà. Pour vraiment qu'on voit. En plus, c'est pas un mauvais cric. Là, il y a 6 roues, les gars. Ah ouais. Là, avec ça, on est bien. Là. Quel 7ème qui file? Oh! Ça le fait pareil, on ne voyait pas derrière l'écran, mais ça fait pareil. J'ai pas compris la blague. Il y a 6 roues, puis c'est un 7ème qui file. Ah! La roue de secours. Je m'en branle, ça me touche plus maintenant. Un amortisseur d'origine qui part. Oh putain, mais même ça fait du bruit.
toute la journée. Tap, 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 tap. Allez, la peinture du sol. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, je fais les préparatifs. Ah, tu fais les feux. Putain, elle a failli tout prendre sur les pieds. Ça évitera de foutre des bouts de verre sur le driving center. Bah, la voiture, c'est devenu instantanément une voiture de course là. Ah, mais oui. Mais non, il fallait faire en croix. Ouais, là, comme ça, ça suffit aussi. Putain, même ça, t'es pas capable de bien le faire. J'ai raté la croix. Qu'est-ce qu'il fait lui encore? Ah, qu'est-ce qu'il touche toi? Ah, c'est à moi ça. J'ai pas d'argent pour avoir ça. Non, ce qui est intéressant, c'est pour qu'on puisse comparer par rapport au 36. De là à disons. De là. Je suis au centre là. De là à de là. Allez, là je suis là. Un petit géranium. Et juste là, un petit géranium. Ouais. Ça fait 14 feet. Bravo. Ça fait 14 feet. 14 soit feet. Environ 30. 300. Là déjà t'as foiré ta mesure. 305 mm. Disons 305 mm. Tu vas dire 305 mm. T'as un peu de mal avec la prononciation. Hein. 300. Entre le cas des linéoscopes là et ça. C'est pas 305, c'est 355 mm. Attends, là ça m'intéresse. Vous avez devant vous un SMIC. T'es jaloux? Non. Si, si, il est très jaloux. Il est très jaloux. C'était ça le truc important. Ah ah, alors. Bon, regarde l'attention avec laquelle il le pose. J'ai jamais vu Romain faire aussi gaffe avec des pièces. 17 feet, soit 432 mm. Bon, on va dire 435 pour que ce soit rond. 435 moins 355, ça fait 80 mm. Concrètement, pour votre information, c'est l'heure des chiffres. Tu. Oh, plus jamais tu refais ça. Hein. Pardon, je suis perturbé. Ils sont dérangés là, vraiment. Ils mettraient un générique à la place. Ouais. Les triangles Weisfab pour BMW E46. Triangles Weisfab pour BMW E46 sont de combien plus long? 80 mm. Plus long que l'origine. Moi je sais pas compter, ça fait combien en centimètres? Ça fait environ 80 mm x 8 divisé par 2, 64. Ça fait pas 75 cm? Non. Divisé, je retiens 2, 66, ça fait 8 cm à peu près. D'accord, ok. Bon, du coup, t'aimes bien, c'est flambant? Ah bah, quand même. C'est jdid. Pour le prix qu'il a payé, putain, tu m'étonnes. Ça va tomber. Bah vas-y, franchement, il va rien voir, aucune différence. Il est un peu fébrile le carton. Je crois que c'est celui que j'ai rangé en plus. Il a eu le carton. Putain, c'est pas cool. Waouh! Oh là là là! Oh là là! Oh là 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 là! Il a dit quelle couleur qu'on n'a pas encore pris. Il est jaune, les bleus, les verts. C'est dégueulasse! Il a dit qu'il allait faire un covering sur sa bagnole de la même couleur que les combinés. Holy! Il allait faire une E46 Harlequin. Une E46. Eh mais c'est une bonne idée. Quelle couleur de Max Speeding Road t'as pas encore eu? Rouge je crois. Non, le vert il a jamais eu. Je crois qu'il y a des rouges donc. Mais or tu les as pas eu. Si or c'est j'en ai eu moins deux. Or c'est la base de la base. Ouais c'est la base. Si t'as pas eu un or t'es pas un vrai. Ça c'est pour les riches. Si t'as pas eu de Max Speeding Road or t'es pas un vrai. Or c'est niveau débutant, vert c'est niveau expert là. Ça va aller tellement bien ensemble le vert et le bleu. Putain, c'est beau. Hein. Bien monté, comme on dit Max Pini. C'est pour ça, il faut que Seika nous sponsorise. Ah, Seika, si vous voyez ce message, cette vidéo, sponsorisez-nous. Parce que. Il y a de l'alcool. Ça. Ah, c'est plus possible. Plus ça, ça marchera pas. Hein. Oh là 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 là. Putain, Max Pini Grod, c'est vraiment de la bombe. Ah, la mortouille. Ouais, ça se dessert un peu, ouais. Mais est-ce que tu crois qu'un jour il y a un mec chez Weisfab, il s'est dit il y a un connard avec des Max Speeding Rods? Et tu crois vraiment que je suis le premier? Ouais. Ouais, je pense. Non. Je crois que c'est le premier. Moi aussi, je pense que c'est le premier. Oh, attends. Oh, belle. Mais qu'est-ce que tu fais, ce con? Oh, il glisse pas le sol. Tu fais un goumi?
Goodbye. On n'aime pas trop mal. Un petit peu. Montre-nous comme ça va fitter parfaitement. Réglage au plus bas, tu le sais. Oh putain, oh le bâtard, il y a un bâtard, putain, moustique. Ça pète. Ah, ça a de la gueule. Ça commence. Oups. Quelle technique. Ça commence à avoir de la gueule. Putain. En tout cas, ça se présente vraiment bien. Ouais, c'est large un peu comme ça. Fouf. Fouf. Putain. Ça va être nawak cette connerie encore. Non, mais là, le roller fender il te sert à rien. Là. C'est toute l'aile qu'il faut enlever. Ouah, salope. Oh. Est-ce que vous vous rendez compte de la largeur que ça va avoir ce bordel? C'est n'importe quoi. Vas-y, mets droit. Bah là, il est... Ouah, salope. Buté. Putain. Non. L'une des dernières pièces du puzzle. Hop là. Plug and play. C'est magnifique. Bon bah voilà, presque prêt. Bientôt fini de ce côté-là, mais déjà on a le produit, on a le produit à 90%. Déjà le truc qu'on remarque en premier. Ce qu'il va falloir se débarrasser de ça. Parce que clairement, ça va pas passer. N'importe quoi. En fait, c'est n'importe quoi que vous puissiez avoir un kit comme ça dans le commerce que n'importe qui peut acheter. Pouh ! C'est beau, hein ? Jusque là, un côté a été terminé, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, bah, y a plus qu'à attaquer l'autre côté. Vu comme c'est là, ça va vraiment, vraiment être pas mal du tout. Thank you.
est-ce que ça va être utile? Ça, c'est la question. Ouais, ça aidera un petit peu. C'est un petit peu mieux. Vas-y, rebraque. Il va juste falloir faire quelque chose pour le pare-choc avant. Là, il est content. Donc l'autre côté a été fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à la poser au sol et voir ce que ça donne. C'est ridicule, les gars. Putain, c'est déliré. C'est nawak. Ouah, salope. Faut que je trouve quoi dire. Bon bah, encore une nuit tardive, en pleine semaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que le grand angle est monté. Et en fait, on peut dire que la phase 1 de la voiture est presque terminée. Il reste encore quelques détails, notamment au niveau de l'intérieur. Des réglages châssis à faire. On va voir ce que la voiture donne avec la configuration actuelle. Donc pour rappel, moteur d'origine, grand angle combiné, etc. Donc on attend pour ça le 10 août, voir ce que la voiture vaut. Pour l'instant, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'épisode? Je sais pas. Peut-être. Dans le doute, je vous dis à plus.